Les volcans. Les volcans en activité. Voir un volcan en pleine éruption. Un rêve pour nous, natifs d'Auvergne, siège de volcans éteints, érodés et couverts de pâturages. À notre retraite, nous avons décidé de réaliser ce rêve avec mon épouse Christiane. Marie-Claude, Solange et Jacques se sont joints à nous. Emmenés par Guy de Saint-Cyr, volcanologue, nous avons atterri au Vanuatu. Cet archipel se situe dans le Pacifique Sud, à 540 km au nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Petite île de Tana nous attendait le but de notre voyage, le stratovolcan Yazur. Après quelques petites courses, un premier contact avec les habitants et quelques photos prises à distance, nous sommes arrivés dans notre famille d'accueil souriante et sympathique. Allez, viens voir. Une découverte rapide de notre logement dans les arbres. Et nous étions déjà déposés au pied du volcan. Sur un sol fait de cendres épaisses et de bombes de lave de taille variable. Elle est où la petite Solange là ? Bon, tout le monde est prêt ? T'as ton masque à gaz ? Ouais. Vous avez tous le masque à gaz ? Ouais. Vous avez tous le gaz ? Maintenant, on va marcher les uns derrière les autres. C'est dangereux là-haut. Par malheur, il y en a une très très grosse et qu'il y a des blocs qui sont partout dans le ciel. On part pas en courant. On reste où on est. On reste où on est et on regarde. La pente du Yazur, d'une altitude de 365 mètres, a été gravie sous les grondements et le tonnerre des explosions. On voulait être de la place pour bouger, mais avancer un peu quand même. Nous avons atteint vers 15h notre premier poste d'observation sur la crête au bord du cratère. Alors, ça pèse ? Ah ! Bien que néophytes, nous avions à nos pieds, dans le cône du cratère, deux grosses bouches côte à côte. À gauche, les explosions s'accompagnaient de fumée blanchâtre par dégazage. À droite, les violentes explosions projetaient haut dans le ciel, fumée, cendres et bombes de lave, retombant sur le sol avec un bruit mat et sourd.
les blocs. Tu vois, il commence à se filer par ici, hein. Voilà, ça commence à venir par ici. Le canon est en train de tourner. Voilà, ça commence à venir par ici. On a une belle. Non, non, regardez la pété, regardez la pété. C'est un silencieux celui-là là. Ah là, il y a une belle qui arrive. Déclinant progressivement, nous avons contourné à 180 degrés le cratère fumant pour gagner notre point d'observation nocturne. L'obscurité progressant, nous avons vu apparaître des incandescences au sein des nuages de cendres.
moment, tu vois, pour faire les photos. Bientôt, dans la nuit noire, ces derniers se sont effacés, ne laissant apparaître que les blocs enflammés projetés dans les airs. Ça va? Super. La nuit avançant, nous avons été envahis par un sentiment de fragilité devant la grandeur de la nature s'exprimant dans toute sa puissance. Nous n'avions plus qu'à redescendre la pente abrupte du volcan à la lumière de nos lampes frontales. La nuit fut brève, car hantés par les images du volcan, dessinant d'énormes gerbes lumineuses enflammées, mais aussi par les chants nocturnes de notre petite famille d'accueil. À notre réveil, le sol, la végétation et les frêles habitations avaient été recouvertes d'un tapis de cendres grises, offert par le volcan Yasur en un dernier geste d'adieu.